La première obligation que le musulman doit accomplir est de connaître et de mettre en pratique l'unicité d'Allah. En effet, seule sa réalisation et sa mise en pratique au quotidien permettent aux serviteurs d'échapper à l'enfer. En outre, c'est la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné, non seulement dans sa tombe, mais également lors de la rencontre de son Seigneur. Mieux encore, c'est pour cette unicité qu'Allah a révélé les livres et envoyé tous les messagers. En français, l'unicité est le caractère de ce qui est unique. Ce terme désigne quelque chose ayant la particularité d'être unique, singulier, original. En islam, c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal en le reconnaissant comme étant unique dans la seigneurie, la divinité et la perfection des noms et des attributs. L'unicité de la seigneurie. Elle consiste à croire avec certitude en l'unicité d'Allah dans ses actes, comme la création, le commandement, la royauté et la gestion. Il est également le pourvoyeur et c'est lui qui fait naître et mourir selon sa volonté. Allah Azza wa Jal dit « Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'al min dhalikum min shay' subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. » Il dit également: ala lahul khalq wal amr. L'unicité de l'adoration, aussi appelée l'unicité de la divinité. Elle consiste à unifier Allah par les actes que lui voue le serviteur. Il représente la croyance ferme qu'Allah est le seul vrai Dieu digne d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est adoré vainement. En outre, c'est à lui seul qu'on doit soumission et obéissance absolue, sans rien lui associer, ne serait-ce à Isa alayhi salam ou quelconque autre prophète, voire même les nobles anges. Et ce, conformément à sa parole, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. En bref, toutes sortes d'adorations doivent être uniquement vouées à Allah sans lui associer qui que ce soit. Que ce soit des adorations du cœur, comme la peur, l'espérance et la confiance, ou des paroles, comme l'invocation et l'imploration du secours, ou même des actions physiques, comme la prière, le pèlerinage et le jeûne. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. L'unicité des noms et des attributs, c'est la croyance en ce qu'Allah s'est donné pour lui-même comme nom et attribut cité dans le Coran et dans la tradition prophétique. En outre, c'est la conviction ferme qu'à Allah appartiennent les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. Il est unique dans ses attributs et différent de toutes ses créatures. Il est impératif de réaliser les trois types d'unicité pour être musulman, car celui qui est seigneur et créateur de l'univers doit être une divinité unique, sans associé, et que toute l'adoration doit lui être vouée exclusivement. C'est la raison pour laquelle la reconnaissance de l'unicité de la seigneurie n'a pas suffi aux polythéistes arabes. Allah leur avait ordonné et commandé de lui vouer à lui seul toutes les adorations, ce qui réfère implicitement à l'unicité de l'adoration. Il leur a même démontré que leur admission qu'Allah, l'unique, est le seul créateur, tout en lui associant des créatures dans l'adoration, constitue un paradoxe énorme.